Allez. Eh bien, mes enfants, alors maintenant, il y a presque toute la troupe. Alors là, c'est vraiment le Châtelet. Là. C'est les trois mousquetaires. Ah, bah, mes enfants, il y a du monde, autant en profiter. Oh, ben oui. Hein? Alors là, cette situation est très intéressante. Elle est fédolienne. C'est joli. Oh, c'est joli. Beau, ça. Hein. Ah, elle est fédolienne. Dans le boudoir d'une cocotte 1900. Ah, il y a du costume. Oui, oui. Un père tombe. Il tombe. Ouh. Nez à nez, avec son fils. C'est Karen qui va le faire, c'est lui qui tombe le mieux. On a la chute. Oh oui, on lui dit toujours, bah tiens, vous tombez bien. C'est pour ça qu'on l'engage. Et le valet de chambre tentera d'arranger les choses. Voilà, alors le père sera Roger Carrel, tu avais deviné. Oh, bah, oui, qui joue les le pères, valet de chambre sera Jacques Joanneau. La cocotte, Jean Poiret. Oui. La cocotte minute, alors. Non, le fils Jean Poiret, la cocotte Sophie Desmarais. Alors là, vous avez une phrase à dire. Il faut bien la prendre. Ben oui, évidemment. Vraiment, vous allez me faire pleurer. La phrase à dire dans les dernières 20 secondes sera « Quand vous dansiez dans ce temps-là, pas besoin de pédales wah-wah ». Quand vous dansiez dans ce temps-là. Qu'est-ce que ça veut dire, la chanson de Nicolas Perrac. La pédale wah-wah, c'est la pédale, ceux qui vont wah-wah-wah sur les guitares électriques. Sort un peu. Allez, ce qui se fait. Alors, quand vous dansiez dans ce temps-là, allez, je m'arrangerai pour pas la dire. Allez, place au théâtre. Ça, c'est l'écolier 1900 type. Oh, bah, t'es très bien, ça. C'est vraiment du valet 1900, quoi. Oui. Mais moi, est-ce que ça, ça, c'est pas très 1900. Pardon. Y'a pas un boa? Non. Ça, ça fait tout à fait 1900. Faut aller à toi, rime. Non, ça suffit. Si je me mettais une décoration. Oh là là, vous me calmez, mes enfants, à permettre. Mais tu vas te mettre une décoration, non? Oui. T'as raison. Tiens. Bon, ben mes enfants, on a assez bavardé, hein. L'émission est terminée, alors ça va, on peut... Mes bagues. On a passé l'heure. Non, allez, on y va. Bon, qu'est-ce que tu fais, Cocotte? Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait, Cocotte, ça? C'est drôle parce que... On pourrait penser que c'est toi. Je suis chez moi. Allez. Fais-toi. Et je suis avec mon valet de chambre. Attention, je fais les trois coups, mes enfants. Vous êtes prêts? Attention. Irma. Madame. Qui doit venir maintenant? À qui le tour? Vous savez, il y en a tellement. C'est monsieur... je ne me rappelle plus son nom. Vous ne vous souvenez plus de son nom? Mais j'attends. Ah, attendez, je vais prendre mon planning. C'est ça. Je sors. Oui, madame. Voilà. Et je vais me préparer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en retard. Sûrement, madame. Ah, voilà. Je vais ouvrir, madame. Oui, c'est vous. Très bien. C'est absurde d'avoir retiré mes chaussures. Messieurs. Madame, messieurs. Excusez-moi. Madame, messieurs. Mademoiselle Emilienne Gros-Cheval. Oui, elle est là, c'est ici. Si vous voulez vous asseoir. Très bien, elle m'attend. Oui. Oh. C'est monsieur Gros-Cheval, madame. Non, c'est madame Gros-Cheval. Ah, très bien. Très bien. Moi, c'est monsieur Baudruffin. Monsieur Edgar Baudruffin. Monsieur Baudruffin. Quelle joie de vous voir. Bonjour, madame Gros-Cheval. Je vous attends avec impatience. Oh, écoutez, je rêvais de ça. Depuis longtemps. Oh, écoutez, depuis pratiquement 40 ans maintenant. Oh, c'était hier. Vous n'avez pas changé. Je n'ai jamais connu de femme, madame. Vous êtes c'est la première. Je vous ai tellement admiré quand vous étiez au théâtre. Je voyais toujours papa, m'emmenait tout le temps. De papa, l'emmenait vous voir. On vous a vu depuis des générations, madame. Alors mon rêve, c'était de vous approcher, d'être près de vous. On me disait toujours, oh, il faut avoir vu Emilienne, Gros-Cheval dans Athalie. Elle était très bonne. Par la création, bien sûr, mais plus tard. On me disait, oh, Emilienne Gros-Cheval, oh, le charme, oh. Et vous n'êtes pas déçue? Oh, pas du tout, madame. Vous ne le serez pas du tout. Vous êtes presque aussi bien de près que de loin. Plutôt mieux. Faut dire que j'étais très loin au fauteuil d'orchestre, nous n'avions pas beaucoup d'argent avec papa. Bon, madame, qu'est-ce que je fais? Je reste. Vous pouvez rester avec nous? Ah non, vous ne non. Je sors. Pardon. Oh, madame. Mais votre nom. Oh, faut être un imbécile. Vous me voyez trois fois par semaine. Emilienne, oui, mon enfin, grand madame. Madame. Madame.
Madame, il y a un monsieur là qui veut vous voir. Émilienne, c'est... mon gros dada, oh, c'est moi, ton petit jockey d'amour. Oiseau des îles. Oh, ma chérie. Oh, mon que je me découvre de moi. Oh, assieds-toi. Je suis arrivé, j'étais embêté, ma chérie. Pourquoi? Oh, mon trésor, j'ai vu devant la porte la voiture et les chevaux de mon fils. Oh, ça n'est rien, tu rêves. Il doit être dans le quartier. Sur quoi je fais? Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai vu, je pense que je dois faire quelques courses dans le quartier. Je ne voudrais pas. Mais pardon. Je vous en prie. N'aie pas peur. Il écoute toujours ce qu'on dit. Non, pas du tout, monsieur. Non. Je voudrais pas le rencontrer parce que malheureux, je savais que son papa et j'ai vu qu'il lui vienne pour mais tu sais, tu es très imprudent de venir comme ça avec tes décorations, le visage à découvert. Oh, alors, tu me flattes. Toujours beau. Émilienne, vous venez, Émilienne, je m'ennuie tout seul. Oui, mon ami. Attendez une minute. Qui est là? Non, c'est rien. Comment c'est rien? J'ai cru reconnaître la voix de mon fils. Non, pas du tout, non. Non, mais c'est pas ça, non. C'est moi. Il me reconnaît tout le temps, mes cuisses. Mais non. Papa m'a reconnu à mes cuisses. Mais son père est le fils. C'est papa. Quelle joie. Moi qui rêvais d'une vie de famille. Une vie de famille? Mais c'est déjà une vie de famille. Oh, mon petit garçon. Oh, écoutez. Papa, dans ce temps-là, on n'avait pas besoin de guitare wah-wah. Oui, elle ne sait plus du tout ce que c'est. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pas une guitare? C'est quoi? Quand vous dansiez, oh, cher, dans ce temps-là, pantalon, vous n'aviez plus besoin de pédales. Une guitare wah-wah. Je suis en courant. Vous avez réuni.